Bonjour Vous aussi vous avez pour objectif de trouver votre femme ou votre mari sur internet Cela dit, je dois vous avertir, car tout ne se passe pas comme prévu. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons rencontrer Steven et Bernadette. Peut-être pas. Dans cette histoire, l'un des deux n'est pas celui qu'il paraît être. Est-ce Bernard ou Christian Je ne sais pas. Est-ce que peut-être Bernadette serait pas un vieux Mexicain du sud du Mexique Il est fort probable. Bienvenue dans 4 fiches, l'émission où vous pensez manger un burger, mais à dedans, c'est du yinche. C'est parti. Eh, en vrai de vrai le maquillage. Est-ce que ça serait pas considéré comme du cas de un peu pour ce début de vidéo C'est bien pour trigger les meufs, ça Non, euh, le maquillage, c'est pas du cas de euh, C'est juste du maquillage. C'est comme vous votre barbe, euh, voilà, c'est pareil. Euh. Il y a maquillage et maquillage. Apparemment, Mia Mor est un cas de Péruvienne du nord du Pérou, elle a réussi à attirer son mec via des photos de Jessica Alba. Son vrai nom n'est pas Mia Mor, mais Pedrolito de Sanchez. Pedrolito de Sanchez le dire comme ça, sinon ça marche pas. Je suis tombé amoureux sur Internet. Mais il se trouve que la fille pour qui j'avais craqué n'était pas celle que je croyais. On la connaît, ton histoire, mon pote. Je sillonne les routes avec mon pote Max, réalisateur, et une équipe de MTV pour aider les gens à vivre leur toute première rencontre ah, avec leur sais. amour virtuel. Leur relation virtuelle est-elle complètement sincère C'est peut-être une fille de la campagne super sexy. Pire, c'est peut-être Pedro Lito de Sanchez. Est-elle construite sur un mensonge Trouveront-ils l'amour Ou auront-ils le cœur brisé l'intro, elle est longue, hein c'est quoi ça C'est ma bite. <laughs> Regarde, je peux la retirer et te la lancer sur la gueule. Putain, qu'est-ce qu'on rigole dans une chambre entre mecs C'était posé sur mon lit. Pardon. <laughs> Bataille de slips sales, <laughs> trace de pneus sur le visage, lourd lourd, c'est trop drôle. C'est une chaussette propre, voilà ce que c'est. Ça a rien. Allez, vas-y, sens bien la chaussette dans laquelle il s'est pignoufié Aidez-moi à rencontrer un homme que j'ai mené en bateau pendant huit mois. C'est Quoi wow. Attends, elle a vraiment envoyé un mail d'aide pour que les gars l'aident à rencontrer un mec qu'elle a la scam pendant 8 mois, presque un an de sa vie. Cher Nive, je m'appelle Kaya et j'ai besoin de ton aide. Je flirte avec un garçon nommé Alix qui vit en Suisse depuis 8 mois. J'ai rencontré Alix via le site Vampire Freaks. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il y a un site de rencontre spécialement fait pour les vampires. Quand je vous dis que le monde va mal, vous ne me croyez pas. Voilà. J'avais créé un faux profil et utilisé le nom d'Elie. C'est pas un faux profil, ça. C'est une arnaque à l'assurance. C'est pas du tout la même meuf. Ça a, elle n'a même pas la même couleur de peau. C'est comme si elle, elle avait mangé une autre meuf, c'était devenu celle d'après. C'est n'importe quoi. Les choses sont vite devenues sérieuses entre nous. On est tombé amoureux. Quand il a déménagé en Californie, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de lui dire toute la vérité. Ce que j'ai fait, et il m'aime toujours autant. En fait, Alix est l'amour de ma vie, et je donnerai tout ce que j'ai pour enfin le rencontrer. Il va la voir, il va lui dire, mais t'es qui Elle est où l'autre jolie, là Moi, je veux l'autre, le petit bout, pas Boubou, moi C'est hallucinant. C'est pas banal comme histoire. la taille de l'avant-bras aussi. En 95% de la photo. Non, il va être déçu. Euh, bon, elle est pas... ça va, tu vois, mais c'est pas du tout la même. Allô Allô Salut, Kaya Ah ouais, mon ref, ah, pas la petite gothique sexy blonde de tout à l'heure. Hein. On dirait plus une mère au foyer qui qu est fatiguée par la vie, un peu genre. Qui a dit c'est pas Kaya, c'est Kayak Qui a dit en plus c'est un Kayak qui prend l'eau Bah cool les gars. Parle-moi un peu d'Alix. C'est un garçon génial. On aime la même musique. On se dit qu'on s'aime à peu près 50 fois par jour et tous les soirs. il aime l'autre. Et on discute au téléphone jusqu'à ce qu'on s'endorme. Je t'aime à un niveau subatomique. Bah ça tombe bien, hein, parce que là en termes de subatomique, il euh, y a de la matière. Ça veut dire qu'il va pouvoir aimer un peu plus que prévu. Tu as donc rencontré Alix sous un phonon avec une Fausse photo de profil. C'est ça. Et vous n'avez jamais discuté sur Skype. Non, il n'a pas d'ordinateur personnel, donc il ne peut pas aller sur Skype. Oh eh les gars, ah oh, ça serait tellement incroyable. Elle a quatre fiches un gars, mais que le gars il est aussi en train de la quatre fiches. Et du coup, aucun des deux se ressemble. Comment a-t-il réagi quand tu lui as avoué la vérité et que tu lui as envoyé une photo de toi? En gros, il m'a répondu qu'il se fichait pas mal de mon apparence et qu'il m'aimait pour ce que j'étais. Et on. En... Et la faim le monsieur là. Tu as déjà été amoureuse auparavant? Pas à ce point, non. Donc tu penses qu'Alix pourrait. Devenir mon mari, absolument. D'accord, après 9 mois de relation sur euh, rencontre pourquoi pas? On a hâte de vous réunir tous les deux et de vous voir tomber amoureux en vrai. C'est super. Salut Kaya, à bientôt. Au revoir. On sait qu'elle est repartie en ramant. El Batardo! Donc elle l'a dupé et puis elle lui a tout avoué. J'aimerais bien avoir la version d'Alix. Je veux que ce soit un amour sincère et que ça finisse en mariage. Ça m'intéresse. Comment se fait-il que tu sois toujours aussi naïf et optimiste? Tu peux pas comprendre. Salut! Salut! Comment vas-tu Bien, merci. Il fait chaud. Oui. Enchanté. Moi de même. Voici Max. Faites attention les gars, si elle sort au soleil à fond. Je crois que c'est une règle chez les vampires. Surtout pas qu'elle sorte. Voici ma mère, Lisa. Bonjour, vous allez bien Très bien. Enchantée, Lisa. Ravi. Merci de nous acter. frères, il y a zéro ressemblance. Oh, c'est Je fréquente ce site depuis que j'ai 14 ans. Attends, elle est sur un site de rencontre depuis qu'elle a 14 ans. Mais les américains, ils sont barjots. Mais 14 ans, les gars, je jouais à Pokémon Bleu. Qu'est-ce qui. 14 ans, je voulais voir si je libérais mon bulle bizarre, est-ce que je pouvais le recapturer dans la nature Qu'est-ce qui. 14 piges, site de rencontre Putain, ils sont. ils sont pressés les américains. J'ai décidé de m'inventer plusieurs profils. <laughs> avec une photo différente à chaque fois. Wow. Mais au bout de quelques mois, j'ai rencontré Alix. Au moins si tu m'en prends une photo de quelqu'un qui te ressemble plus ou moins, tu vois, prends pas le jour et la nuit. J'étais tombée sur son profil un peu par hasard. OK. Au début, je pensais pas que je flirterais avec Alix, puisqu'il vivait en Suisse, mais les choses sont devenues plus sérieuses. Hey, par contre, c'est stylé, elle a peu à Bakugo un peu, non Ok. Waouh, tous les fans de, de My Hero, ils vont me défoncer. Oh bâtard, Bakugro. Qui a écrit ça là Camille, ça se fait hap N'importe quoi Attends, d'ailleurs, je vais faire apparaître le chat, parce que sinon les gens, ils vont dire je mens, c'est moi qui invente. Non, non, je balance, c'est Camille. Voilà ce que je lui ai écrit. Je t'ai menti et je ne suis pas celle que je prétends. Et il lui a répondu Je m'en fiche, je t'aime et je veux être avec toi. Et cette photo C'est Kaya. C'est la photo que je lui ai envoyée pour qu'il sache à quoi je ressemble. Mais même la photo, c'est un mensonge C'est trop facile, frérot Eh, hey, les gars, regardez, je vais vous montrer à quoi je ressemble. Oh, j'espère que vous n'êtes pas déçus. hein. Il est pas prêt, hein Alix a ensuite écrit Je t'aime et j'espère que ta journée de travail n'est pas trop pénible. Tu es superbe bébé. Waouh, il a donc accès. Accepté... En vrai, en vrai de vrai. Il faut pas mentir sur les photos. Merci moi-même. De rien toi-même. Tu peux nous montrer son profil quel est son nom d'utilisateur Silhouette de feu. Il mérite de se faire scam. Silhouette de feu. Cheval fougueux. Casseur de fiac depuis 92. Il mérite, franchement, il mérite le scam. Bon sexuel Ça veut dire qu'il aime les gens pour leur personnalité, indifféremment de leur genre sexuel. Il n'a pas de préférence, et moi non plus d'ailleurs. Je suis déjà sorti avec des filles. Waouh, la folle basique en vrai. Moi aussi, je suis déjà sorti avec des filles. Qu'est-ce que je vois là Il est fiancé Oui. Enfin. Mais c'est pas un pansexuel, c'est un gros bâtard. Il est fiancé. Ok, c'est bon, j'ai compris, d'accord. C'est genre ouais, je suis attiré par euh, par t'es un gros bâtard, ouais, c'est tout. En fait, il m'a demandé plusieurs fois si je voulais me fiancer à lui et voilà, ça s'est fait naturellement. Attends, il est fiancé avec une meuf qu'il a pas connue, qu'il a jamais vue dans la vie et qu'il a rencontré sur un site de vampires. <laughs> Le monde va mal. C'est du sérieux votre histoire. Bien sûr. On peut le dire, oui. C'est chouette. Tu as déjà été aussi heureuse Non. Je ressens un amour inconditionnel pour lui. Ah, la chance. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans lui. J'ai cru comprendre qu'il avait très envie de te rencontrer, n'est-ce pas Oui. Il m'a dit qu'il adorait me voir en vrai, mais il n'en a ni le temps, ni les moyens. T'imagines, tu veux voir une meuf en vrai, mais genre t'as pas le temps. Je comprends. Je me souviens de lui avoir demandé s'il me cachait pas quelque chose, et il m'a assuré que non. On va mener notre petite enquête avec Max. D'accord. On verra ce qu'il en est. Pareil, mon capitaine. Bon, on va commencer par éplucher le profil d'Alix et on va voir ce qu'on peut en tirer. Il est écrit qu'il étudie dans une école d'art. Regarde, il n'a que 10 amis. C'est pas beaucoup, ça, pour un vampire. À mon avis, c'est un fake aussi, les gars, je vois pas d'autres. Euh... À mon avis, c'est la scammeuse qui s'est fait scammer. D'après son profil Facebook, Alix est en stage dans la société Century Media Records. On appelle Ouais. Bonjour, c'est Brian. Bonjour, je m'appelle Max Joseph et je suis réalisateur. Je vous appelle pour vérifier les références d'une personne que je voudrais engager sur ma prochaine production. J'ai sous les yeux le CV d'un jeune homme prénommé Alix Dorian. Oh, désolé, mais nous n'avons personne de ce nom dans notre équipe. Eh ben, bah, dis donc, ça commence bien. Hmm. Okay. D'accord, je vous remercie beaucoup du temps que vous m'avez accordé. Ah, 100 pas bon C'est pas normal. Je pense qu'on vient de déterrer un gros dossier. Effectivement, c'est assez louche. Tu peux retourner sur son profil, s'il te plaît C'est qui la dame à gauche Parce que moi, si j'ai ça à la maison, je vais pas aller chercher des trucs sur un site de mormois.com, mormois là, ou je sais pas quoi, là. Qu'une photo n'est taguée. C'est pas normal. On pourrait faire une recherche par image sur Google, non On commence avec celle-ci Ouais. Et voilà, j'envoie la requête. Le moment de vérité a sonné. On a une correspondance. Ah. Aïe aïe aïe, c'est une fausse photo. La scameuse s'est fait scamer. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Je crois que c'est la première fois que j'aurais aimé ne rien trouver. Il a 500 contacts. Oh God, je suis dégoûté, ce sont exactement yeah. les mêmes photos. Aïe, aïe, aïe. Ce sont les mêmes photos et les gens sont tagués. Et du coup, c'est pour ça le gars, il s'en foutait de son visuel à la meuf. Parce que lui-même, il avait un faux visuel. Et il a beaucoup de photos qui n'étaient pas sur le profil d'Alix. À mon avis, ce n'est pas. Et vous savez ce qui serait incroyable Ça soit qu'il montre son vrai visage et qu'elle, elle dit Alain, ah je suis désolé, mon raf, t'es trop moche. Oh, le scammer, biscamé, biscour, scourm. C'est double scam. Inception scam les gars scam 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 ah ouais ça serait incroyable kaya est tombée amoureuse d'un homme qui n'existe pas mais l'homme qui n'existe pas est tombé amoureuse d'une femme qui n'existe pas aussi en vrai l'un dans l'autre on est sur de la scamception euh... bon j'entre le numéro de téléphone d'alix que Kaya m'a donné c'est pas le bon Attends une minute. Quoi? C'est un blog écrit par un certain Silhouette des Enfers. On a entré le numéro de téléphone. En vrai, il est glauque le gars. Silhouette des Enfers, il utilise des fausses photos, etc. À tous les coups, c'est un mec qui fait des sacrifices de chèvres le week-end. Il s'est retiré deux côtes pour se retirer de côtes par plaisir. Phone dans Google. Non. Et ce blog est apparu dans la page de résultats. Blog tenu par Silhouette des Enfers. On connaît ce pseudo. C'était pas Silhouette de Feu plutôt Ah oui, c'est vrai. Ouais, Silhouette de Feu, Silhouette des Enfers, c'est pareil, non Je suis inutile, personne ne se soucie de moi et je n'ai aucun avenir. La fille que j'aime n'a rien à faire d'un type comme moi. Il paraît que nous avons tous un rôle à jouer sur Terre, mais j'ignore quel est le mien. Ceux qui veulent me dire au revoir peuvent me laisser un message au numéro suivant. Alors, ça, si c'est pas un red flag On va essayer de trouver le profil de ce gars sur Facebook. Oh, oh. En vrai, il y a pire. Bon, Bon, ça se voit qu'il passe ses soirées à jouer à Counter-Strike, tu vois, avec une boîte de Kleenex sur le bureau, mais en vrai, il a l'air sympa, non Bon, il y a juste un premier avec ses doigts. Je sais pas pourquoi ils ont l'air maxi crochus. Après, vous allez me dire si c'est un vampire, c'est normal. La pose laisse à désirer, mais le reste en vrai euh... en vrai ça aurait pu être pire. Hey, bingo. bingo. Okay, Danny, art étudiant dans une école d'art. Je crois qu'on a trouvé notre bonhomme. BG en vrai. En vrai BG. En vrai BG. On va essayer oh. de dégoter. Mais par contre, elle sait qu'elle est en train de date un mec à 11 ans et demi Ah si elle est au courant en fait que son gars il est mineur. Cheveux de feu, ombre sanglante, le cavalier de l'apocalypse. <laughs> par contre, il a l'air de tout sauf du nombre enflammé. Hein. Il a qu'une pause ou c'est comment Sa tête elle tient pas tout seul, il a pas de cou. Non parce que sur toutes les photos, il est comme as. Mais non, c'est pas une meuf les gars, c'est un gars. Non, c'est pas une meuf, c'est un. Eh, hey, il est ce qu'il a envie d'être. C'est lui elle, c'est lui elle qui décide ce qu'elle est. Qu'il ce qu'il lui elle, l'elle, elle là. Alors je ramène toute ma famille, l'elle là. Dans une semaine, je rentre à Vitry, l'elle là. J'irai J'irai finir mes jours là-bas. Waouh waouh waouh. Et lui elle. vas-y frère, c'est trop dur. <laughs> et sont en plus. C'est une huile. Mais non Mais du coup, mais du coup le travail est déçu. Regarde, c'est une ancienne meuf. Cette fille, je me demande si elle est pas C'est lui. C'est l'huile, c'est l'huile frérot, respecte. C'est une fille. Oh. Non Je sais pas oh, quest ce que je dois dire. Non, c'est pas une fille, c'est l'huile Olive Puget, toujours rebond pour le goût. <laughs> Comment ça je suis chiant Eh, elle va tomber la fessée, hein, tout le sentiment que l'homme avec Ikaya a discuté en réalité. S'en fiche. Le plus important, c'est quoi C'est qu'on a tous un trou de balle en fait. Au final, la surprise, c'est que Dani est une fille. Une fluide, frère. Arrête. Elle a. C'est elle qui choisit, mon gars. T'as pas le droit de dire ça. Mais Dani dit être de sexe masculin sur son profil. Ah voilà. Tu devrais la demander en contact pour suivre son fil d'actualité. Dani, c'est clair, hein, Pour Danny moi, Dani a choisi. Mais elle se considère. Comme... Non, putain. Arrête de dire ça. On va avoir des problèmes. Fais ce qu'il veut, Dani. On n'est pas là pour juger Dani. Personne peut vous juger. Je suis sur son blog là. Écoute ça. Vous oui. savez que vous êtes transe ah quand votre mère qui avait pourtant de bonnes intentions vous dit que vous serez toujours son petit-fils ou sa petite-fille chérie et que vous vous dites que c'est bien là le problème et la mère elle doit dire quoi du coup attends la mère, elle est sympa, elle a dit tu peux faire ce que tu veux. Eh, ça doit être une galère quand tes parents. Comment tu, tu. Tu dois dire quoi Elle est peut-être transsexuelle, ce qui expliquerait bien des choses. Maintenant, pour bien faire, qu il faudrait aller parler à Kaya. On n'a pas le choix, on doit la mettre au courant. Ce sera à elle de décider de la suite des événements et de voir si elle veut continuer ou pas. Je pense que l'autre, elle a dit qu'elle s'en foutait du sexe, donc en vrai, ça peut marcher. Il y a un monde où l'autre, elle a dit qu'elle était déjà sortie avec des filles, donc en vrai, ça peut marcher. Salut Comment ça va Bien, et toi On a passé les derniers. Par contre, à votre avis, deux mythos qui se rencontrent, le couple, il va durer longtemps ou pas Parce que deux menteurs sur Internet, usurpation d'identité, nanani nanana, à mon avis, c'est un couple tellement toxique. Mmh. On est allé sur le profil Facebook d'Alix, on a sélectionné ses photos et on a fait une recherche d'images sur Google. Et on a eu une correspondance. Cette photo nous a menés sur un autre profil Facebook, celui d'un garçon. Tu reconnais toutes ces photos Oui. L'autre point important, c'est qu'on a fait une recherche du numéro de téléphone d'Alix sur Google. Karma Et on a atterri sur ce blog, tenu par un certain Danny. Et en recherchant ce Danny sur Facebook, on est arrivé sur ce profil. Danny vit en Californie et voici une photo d'elle. Pour résumer, on est quasi certain que la personne avec qui tu parles depuis tout ce temps est en fait une fille qui s'appelle Danny. En même temps, tu scams, tu te fais scam. C'est euh... une très grosse surprise. Je m'attendais à plein de choses, mais pas à ce qu'Alix soit une fille. Pareil pour nous. Un jour, je lui ai demandé si lui aussi me cachait quelque chose et il m'a assuré que non. D'après ce qu'on a pu voir, Danny se cherche encore. Et résultat des courses, les sites de vampires, c'est pas très fiable hein, pour trouver un date. En termes de sexualité, on a constaté qu'elle intervenait beaucoup sur un blog dédié aux femmes transsexuelles. Il est possible que Danny soit réellement transsexuelle et qu'elle ait voulu savoir ce qu'une femme pouvait ressentir pour le Danny homme. Je comprends. Après, j'avoue, si Dany se considère comme un homme maintenant, au final, quand elle lui a demandé s'il avait quelque chose à cacher, qu'il a dit non, ah non, il avait rien à cacher. Après, si elle lui avait demandé, est-ce que t'as un penny Là, il aurait dû dire. Euh... Euh important que ça, ah, tu vois. Je n'ai jamais eu de préférence pour les hommes ou pour les femmes, mais là, je crois que mon cerveau est bloqué. J'ai reçu trop d'informations d'un coup et je suis un peu paumé. En vrai, ça doit faire un choc. Hein. La situation est très différente à présent. Ah c'est bizarre parce que quand c'est toi qui scames, c'est pas grave, mais quand tu te fais scammer, c'est grave. Tiens, tiens, tiens. Les situations s'inversent, madame. Je ne sais pas du tout ce que je ressens. Et si tu écoutes ton cœur, que te conseille-t-il de faire pour la suite tenter l'aventure. J'ai vraiment envie de rencontrer la personne avec. Avec qui j'entretiens une relation virtuelle depuis Et ces huit derniers mois. Et au pire, vous, devez, vous deviendrez de super potes. Donc en vrai, euh, elle a rien à perdre, let's go. Hey. Allô, Alix Oui Hey, Salut, je suis Nive et je suis un ami de Kaya. Et là, l'autre, il doit se dire oh Non, 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 non Ils m'ont capté Il doit être stressé de ouf, là. En fait, je voudrais savoir ce que représente à tes ouais. yeux la relation que tu entretiens depuis huit mois avec Kaya. J'ai fait sa connaissance sur Internet. J'ai été étonné qu'elle accepte de me parler. Par contre, ils lui ont mis une voix de femme, c'est pas cool. Ils auraient dû lui mettre une voix de daron. Je n'ai pas l'habitude que les gens s'intéressent à moi. Elle a toujours été là pour moi. Et je la considère comme mon âme sœur. Ce que j'aimerais, si tu es d'accord, c'est que Kaya et moi, on vienne chez toi. Quoi, les gens mentent de base Je comprends pas. Bah, des fois pour s'infiltrer dans ta tête, j'imagine. En gros, je pense que ceux qui mentent, c'est souvent ceux qui galèrent de ouf où ils trouvent des feintes et ils mentent. En vrai, si tu galères pas, t'as pas vraiment besoin de mentir. Écoute, si vous êtes d'accord pour faire la route jusqu'à chez moi, j'en serais vraiment très heureux, Ok. C'est pas comme si on en avait jamais parlé ensemble. Je veux être sûr que tu es aussi impliqué et sérieux que les Kaya. Je suis plus que prêt à la rencontrer. Imaginons alors Aujourd'hui, elles sont mariées. Je crois on est tous ouais. sur la même longueur d'onde. Donc, attends-toi à nous voir arriver très bientôt. À bientôt. Oh alors. suspense. T'es prête eh, Par contre, es j'espère qu'ils vont nous dire le dix ans plus tard, etc. Quand même, qu'on sache. Je suis prête à le rencontrer. C'est cette maison-là. Ouais. On doit passer par derrière. Au moins, ouais. il a une belle maison. De derrière et là. Je trouve ça un BG doux. Ah mais il y, y en a une deuxième. Hein. Mince. Qu'est-ce que t'en penses Attends, Attends ils viennent de rentrer dans le jardin de quelqu'un là, comme ça, sans complexe, sans sonner, sans rien du tout. Ça rentre dans le jardin, euh, pff, tranquille. C'est ça les states. Salut. Ma papa, papa. Salut. papa, papa. Je suis Niv. Enchanté. Idem. Et voilà deux scammers qui se rencontrent. <laughs> ça me fume. À la base, on avait un petit brun aux yeux bleus qui devait rencontrer une petite blonde aux yeux bleus. Au final, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais ça reste beau quand même, l'amour. Oh mon dieu, scammer rencontre scammer. Incroyable. Et non. Après, c'est des vampires, donc peut-être que genre ils. Plus l'âme, tu vois, genre. L'âme de la personne, les chakras et tout. Pourquoi tu m'as pas avoué ton secret quand je t'ai parlé du mien J'étais effrayé et j'avais peur de te perdre. Je préférais te le dire en face. Pourtant, je t'avais dit que je te laisserais jamais tomber. On peut aller s'asseoir derrière. J'aime bien sa petite queue de rat, là. Comme quoi, elle a déjà transitionné euh, jusqu'au bout, hein. Elle a déjà une queue. <laughs> El batardo Moyen. Moyen, celle-là. Je crois que c'est clair pour tout le monde, c'est pas toi sur les photos. Et non, tu es transsexuel, c'est ça Oui. Et dans la vie de ta mère. Et tu le sais depuis combien de temps Je crois que j'avais 6 ans. Ah ouais J'étais différent des autres enfants, mais je savais pas l'exprimer. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai écrit une lettre à mes parents et. Je crois qu'il commence à m'accepter tel que je suis. J'ai commencé une hormonothérapie en vue de mon changement de sexe. Attends, l'hormonothérapie là, ça fait que une semaine. Mais putain, les changements, ça, c'est rapide de ouf en vrai. Ok. Donc je prends de la testostérone depuis huit jours maintenant. Oh, huit jours temps seulement, le elle a une carrure de, de zinzin. Dans quelques temps, je vais subir une hystérectomie et une mastectomie. Je suis désolé, hein, mais elle est plus masculine que certains gars. Hein. Je trouve que huit jours de testo, ça change de fou hein. Kaya, que penses-tu de tout ce que Dany nous a raconté Waouh. Tu es toujours un homme à mes yeux. Ça ne change rien pour moi. C'est le principal. Le reste on s'en fiche. Ce qui m'importe c'est sa personnalité. Je me fiche pas mal de son apparence. Et l'autre, il est pas déçu. Mais le point, c'est un moment vraiment incroyable. Je me sens bien. Moi aussi, je me sens bien. Ouais. C'est difficile à expliquer. C'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Ce ne sont plus de simples mots, c'est la réalité, tout simplement. C'est vrai. En vrai, en vrai, en vrai, je trouve que c'est trop facilement accepté parce que ça fait huit mois qu'elle parle avec quelqu'un qu'elle pense physiquement à être différent et genre quand tu le vois d'un coup, en mode ok, genre t'acceptes, C'est bizarre quand même, accepter comme ça si vite. Tous les mots de l'encyclopédie, tous les mots de l'univers et de toutes les langues ne suffiraient pas pour exprimer l'amour que je ressens pour elle. C'est déjà la fin de cette vidéo. Par manque d'outro, moi Pedro Lito le robot, je m'en suis chargé. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de mettre un pouce.